en direct du théâtre de Radio-Canada. C'est le bye-bye. Bonsoir les cocottes. Ici Cocotte de glace Léopold qui vous souhaite la bienvenue directement de la halle d'entrée de Radio Tralala. Comme tu vois, il y a pas mal de gens flyés ce soir qui sont venus ici assister à l'enregistrement de la Bye Bye. Tout le monde s'est mis sur son 37, c'est pas mal capoté. Qu'est-ce que je vois ici, là-bas, où il y a déjà Henri Bergeron, le beau dimanche, qui est accompagné de la Nanette. Bonsoir les cocottes. OK. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit par là? Oh, il y a Lise Payette. Lise Payette, la même Lise Payette que tout le monde connaît, qui est en compagnie de Tigus. De Tigus et Timus. Bon gars, oui. Comme ça, qu'est-ce que je vois qui s'amène vers moi là-bas? La flyer à Denise Bombardier, oui, qui est accompagnée de Mad Dog Fashion. Mad Dog, le coco pas mal flyé, comme d'habitude. Oh, et qu'est-ce que je vois là-bas? Pierre-Éliott Trudeau. Oh, le premier pet du Canada et le second Jean Chrétien. Viens ici pour le caméra, les cocos. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, Pierre, je voudrais savoir une chose. Est-ce que tu as hâte de voir rire de toi comme ça ce soir dans le bye-bye? Beaucoup, oui. J'ai bien hâte de voir ça. Mais c'est pas mal too much, ton sens de l'humour. Oui, c'est assez much, oui. Ah oui. Et dis-moi, c'est toi, Jean Chrétien... Oh, that's nice. Jean Chrétien qui accompagne le Prime Minister Pierre-Éliott Trudeau. Ah oui, Pierre voulait absolument être accompagné ce soir et comme il ne trouvait pas personne pour l'accompagner, bien, il m'a offert comme ça de le dépanner. Ça se passe. Ouch, merci mon chou. Anyway, oh, eh bien là-bas, il y a toujours la Diane Dufresne qui essaie pour la troisième fois de passer son robe dans la porte. Ça n'a pas l'air à marcher encore. Anyway, good luck. C'est pas mal au bout. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Le maire de Montréal, Jean Drapeau, qui est en train de faire son tralala avec le mur. Avec le mur. Et je vous promets, chers Montréalais, que la prochaine traversée du lac Saint-Jean aura lieu ici même, à Montréal, au lac des Castors. Oh, je vois. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Vous êtes monsieur comment? Bigra. Monsieur Bigra, c'est pas mal flyé, c'est comme nom, hein? Big Paul. OK. Écoute, Coco, est-ce que tu veux nous voir comme ça dans le bye-bye? Ouais. Ouais, OK, merci, Coco, merci beaucoup. Oh, j'entends la musique, ça y est, c'est le groupe Pied de Poule qui fait son entrée. Oh, too much, yeah. Oh, cool, Coco. Dansons-le. Oh, et directement d'Hollywood, Coco. Il faut pas le manquer, get this on camera. On nous avons E.T. qui vient directement d'Hollywood, accompagné de Miss Univers. Bonjour, hello, le Coco, hi there. Glad to be here. Oh, have a nice evening. OK. Il y a toujours la Diane là-bas. Diane Dufresne qui n'est pas capable d'entrer dans la porte. Oh, qu'est-ce que je vois? Claude Charron, accompagné de Michel Richard. Venez ici, les cocos, pour la caméra, que tout le monde le voit. OK. Oh, Claude Charron, Michel Richard, c'est joli ce que vous portez là sur le dos. Oui, on a pris ça chez Eaton. Hein? Ouais. That's very nice. C'est bon. Non, touche pas, Claude. Touche pas. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. OK. Oui, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que... Oh, oui, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, qui vient avec ses cigarettes. Hello. Bonsoir, René. Bonsoir, Coco. Vous n'êtes pas avec Corinne? Oui, oui, elle s'en vient. Elle est partie parker le char. Elle est partie parker le char. Oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu as peur, René, que ça rise de toi comme ça dans le bye-bye? Ben, écoutez, quand on fait un métier comme le mien, il faut s'attendre de temps en temps à faire rire de soi, une fois par année au moins. Oui, merci, Tipoil. Quand même, mon nom, c'est René. D'accord, René. Bon, il est fâché. Oh, c'est les lumières qui flashent, ça veut dire que c'est le temps de commencer. On est tout fait prêt, tout le monde va rentrer dans la salle pour voir le bye-bye. OK, j'espère que Diane Dufresne va pouvoir rentrer avec son robe dedans. Anyway, bon ben, OK, Coco. Bon bye-bye. OK. Mesdames, messieurs, oh yeah, directement de Radio-Canada, où c'est le temps de dire adieu à l'année 82. C'est le temps et voici, oh yeah, c'est l'heure. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Comment? Les autres sont pas là, là? Mais quels autres? Il n'y en a plus d'autres. Ils ont tous démissionné. Ben, il aurait pu m'en parler, non? Mais René, c'est toi qui leur as dit de démissionner. Ah oui, c'est vrai. René... Louise Leblanc-Benté, s'il vous plaît. Bon, de quoi on parle, là? Eh bien, René, on pourrait commencer la journée en parlant du gaz naturel. Non. Ça te regarde pas, Bérubé. Mais René, c'est mon ministère. Non, plus maintenant. Comment ça? Parce que j'ai décidé que tu venais tout juste de démissionner. Pour quelle raison? Je le sais-tu, moi. T'en trouveras une raison. Louise, s'il vous plaît. Excuse-moi. René, je pensais à mon affaire. Au sujet de l'augmentation du prix des cochons, au lieu d'augmenter le prix du cochon, on devrait augmenter le prix des cigarettes en place. T'es-tu fou, toi? Tu veux-tu me mettre dans la rue, là? Non, de toute façon, tu t'occupes plus des cochons. Tu t'occupes désormais du gaz naturel. Ben oui, mais René, je connais rien au gaz naturel. Est-ce que t'aimerais mieux connaître l'assurance chômage, peut-être? Non! Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Jean? Oui, René. Est-ce que tu pourrais pas trouver le moyen de perdre 25-30 livres, là? Me semble que ça aiderait l'image du parti. Oui, René, pas de problème. Excuse-moi, mon aîné. Es-tu prêt? Ben oui, faut bien. Bon, ben. Bye, les gars. Bye, René. Ben oui. Est-ce qu'on est prêt, là? Action. Bonjour. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Je suis René Lévesque, votre premier ministre. Vous savez, être premier ministre comporte une foule d'activités intéressantes, comme fumer, séparer le Québec et surtout faire démissionner des ministres. Être ministre également comporte une foule d'activités sans précédent, comme me regarder fumer, séparer le Québec et surtout de démissionner. Alors, s'il a envie d'être ministre,
vous prends, là. N'hésitez plus. Écrivez-moi à mon cher René, c'est à mon tour. Case postale 2000, Québec, Canada. Et je vous prie de faire ça vite, parce que de toute façon, vous ne serez pas là longtemps. C'est tout. On s'est donné au maximum. Septième ciel, tout le monde descend. Quand on vient d'être béatifié. Bien heureux, ce gars. Disons que je me sens aux anges. Mais c'est en pleine place pour ça, mon idée. OK, ben le fun est dans la place, on lâche pas la patate. Didi, laisse-moi te présenter tes confrères et tes consoeurs québécois. D'abord, à mon extrême droite, il y a Saint-Jean Port-Joli, le vétéran et le pionnier de notre division. Il y a rien, là. À ses côtés, comme toujours, sa charmante épouse, Saint-Anne-la-Pocatière, qui fait une tarte au sucre à faire donner sec. T'as pas une petite idée? Incapable. On poursuit maintenant avec Saint-Denis, patron des chauffeurs d'autobus. Ensuite, il y a Saint-Simonac, notre délégué syndical. C'est lui qui nous le présente auprès du boss. Ça verra, Simonac. Et d'auréole pour tout le monde. De l'autre côté de la table, mon Dédé, c'est Jean de Dieu, notre petit gus à nous autres. Ensuite de ça, Saint-Hubert, il délit 24 heures par jour, il est parti comme un petit poulet. Derrière là, ensuite, il y a Saint-Anneau. Saint-Anneau, patron des apéros. C'est une chine. T'as pas une chine? Beaucoup. Ensuite, il y a Saint-Léonard, patron des immigrants sur le coup des pizzerias. C'est lui qui s'occupe aussi de notre protection. C'est le bonhomme. Enfin, mon Dédé, il y a moi-même, Saint-Tite, patron du bétail. Ben, c'est ça, mon Dédé. À ce temps, pour fêter ta nomination, nous nous sommes tous cotisés pour t'offrir une plaque commémorative qui te rappellera tes beaux jours de portier au Collège Notre-Dame. Oh, oh, oh non! Oh, non, pas une porte! Vas-y, mon Dédé! Oh, c'est trop, c'est trop! Oh, lève ça de même! Ah! À partir de cette heure, mon Dédé, te v'là rendu patron des dormants! Ah! Y'a va plein de vaisselle.
Et maintenant, voici l'heure de la Loto Richard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Loto Richard, la seule loterie qui vous permet de connaître le poids réel de Michel Richard, tout en gagnant de l'argent. Si votre chiffre correspond au poids exact de Michel, vous gagnez le poids de Michel en argent. Mesdames et messieurs, place maintenant à la pièce de résistance de notre loterie, Miss Diète elle-même, Michel Poutine Richard. Ce soir, je serai la plus belle pour aller me peser. Peser. Je prendrai un peu à porter, c'est pour ça qu'il faut me watcher. Me watcher. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, Michel, toujours confiante de briser la barrière des 140 lits? La semaine dernière, nous l'avons raté d'à peine une livre. Ben, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis donné à 100% dans le pudding amaigrissant. J'en ai mangé comme jamais. C'est ce que nous allons voir à l'instant. Mesdames et messieurs, Monsieur Léger de la firme Groslot et Le Gros restera à côté de Michel pour attester qu'il n'y a pas de fraude dans le poids de Michel. Attention, c'est parti. Les bouliers sont en marche. J'entends les boules qui déboulent. La première boule roule sur le grillage. Et la première boule, c'est un 1. Bravo, Michel! La deuxième boule, maintenant, c'est un 4. Hélas, Michel, ce ne sera pas pour aujourd'hui la barrière des 140 livres. Je m'excuse, mademoiselle Richard, mais il faut que les deux pieds soient sur la balance. Ah, il pèse rien, ce pied-là. Vous en prie, Michel. Bon, alors c'est reparti. La troisième boule nous arrive maintenant. Et la troisième boule, c'est un 9. Oh là. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Oh. Alors, c'est notre chiffre gagnant pour aujourd'hui, 149 livres. Comment expliquez-vous ce résultat? Je comprends pas ça, hein? Ah, il faut dire que mon dentiste m'a fait plusieurs plombages aujourd'hui. 8 livres de plombage, c'est un peu beaucoup, non? Oh, ben peut-être que j'ai pas assez mangé de pudding. Ou trop de pudding chômeur. Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine, mais c'est bien assez. Bonsoir. Ouais, ben la merde. Je te dis que le blé d'Inde est coquin cette année. Qui ça, qui est coquin? Le blé d'Inde, pépère. Le blé d'Inde. Le blé d'Inde. On est nouveau curé dans la paroisse? Ben non, pépère. Laissez faire. Ben, vois-tu ce que je vois, la merde? C'est un hélicoptère, ça? Pas le char de ma Titanic, ça. C'est pas ma Titanic, ça. Et si? Un petit qui? Rentre à maison, là, pépé. Rentre à maison. Rentrez, pépé. Hein. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Etty, téléphone, maison. Etty, téléphone, maison. Je pense que c'est un Mexicain. Je pense pas. Y a rien, pas une chose. Etty, téléphone, maison. Comment ça se passe, pas du bien? Ouais, mais rentre dans la maison, la meilleure. On va régler ça entre hommes. Écoute, on va se parler franchement. Tu as une longue distance que tu veux faire? Pas mal. Longue distance, oui. Vas-tu faire virer les frères? Et-tu virer père? Bon, ben, OK, tu peux rentrer dans la maison, d'abord.
Le gars du bel, là, c'est pas quelqu'un de la paroisse, ça. Est-ce que vous êtes Marcier? Ma mère, oui. Pas mon père. Nous autres, on est Québécois. Ah, René Lévesque. Ah, c'est vous, ça, René Lévesque. Ah, c'est bizarre, vous imaginez plus qu'Alexa, moi. Lui, Joker. C'est ça, oui. Guy, offre donc quelque chose à boire à monsieur Titi. Ben, ton vrai. Qu'est-ce que tu veux boire? Ben, voyons donc. On aime ça de même. Moi, j'ai 82 ans. Oui? 200. 2 ans? Ça a l'air plus vieux que ton âge. Caribou! Ouais, tu l'aimes, mon caribou jeune. Hey, numéro 1. Oh! Aïe, aïe, oh! Oh! Cafalo, papa! Oui, j'ai 88 ans! Monsieur Titi, je pense que vous devriez plus boire, là. Vos facultés sont affaiblies. Oh! Facultés! Ça reparle au bébé, là. Oui, j'ai 96 ans. C'est pas ma petite année, ça. Mais bien grillé. Ben non, pépère, ben non. Pourriez-vous l'envoyer n'importe où? Pas de problème. Viens t'asseoir sur ton vieux pépère. Oh, je le savais que c'était ma petite Annick, ça. Et si, go home, mes hommes. Titi, il y a son voyage. J'ai Titi, j'aurais un service à vous demander. Je pense que pépère, il aimerait ça faire un beau tour de soucoupe. Ben oui, il sort quasiment jamais. Il est même jamais allé dans les vieux pays. Pépère, Annick va vous amener faire un beau tour de char. On s'en va en pique-nique. Non, non, pépère, une promenade, voir les étoiles. Les bébés. Viens là, bébé. Bébé, il marche pas vite. C'est bien, bébé, hein? Hey, lâche pas la patate! Hey, il est bien gros, ton char! Attends, moi, celui de mon père! Moi, j'ai 109 ans! C'est très, très, très joli, Corinne, chez vous. C'est québécois. Oui. Un petit sandwich, peut-être? Oui, oui, avec plaisir, oui. À quoi? Aux œufs, peut-être? Bien, oui, oui, s'il en reste, oui. Voyons. Ben, voyons. Oh, excusez-moi. Mon Claude, t'aurais pas vu les sandwichs aux œufs, par hasard? Ah, me semble que je les ai vus il y a pas longtemps, là. Ah, tiens. Justement, une ici. Merci. Tu es livré avec ça? Envoye donc. Merci. Et ça va me dire pour qu'il reste frais. Bien sûr, bien sûr. Non, non. Tu comprends bien, je peux te dire quand même que
Avec ta constitution, tu vas passer tout un Québec, toi. Un Canada, tu veux dire? Tu n'aurais pas une cigarette, René, par hasard, s'il vous plaît? Oui, mon Claude. Tiens, serre-toi. Oh, au fait, Pierre, tu connais Claude? De réputation, oui. Ah, hein, oui. T'aurais pas du feu avec ça, s'il vous plaît, Claude? Oui, oui. Une seconde. Tiens. C'est... Alors, comme... Claude? Mes cigarettes. Ah, mais oui. Je sais. Oh. Mon briquet également. C'est vrai, excuse-moi. Je suppose que j'ai déjà la tête de ce temps-là, moi. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est bizarre. Il me semblait que j'avais ma montre en arrivant tantôt. Le télé-bye-bye de Radio-Canada. Votre lectrice pour le temps des fêtes, la demi-sœur de Vaudrec, Beau de Rome. Mesdames, mesdemoiselles, bye-bye, messieurs, bonsoir. Ici Beau de Rome, votre meilleur. Et les plus récents développements dans le monde, du monde. Sur la scène internationale, le pape Jean-Paul II, après un voyage triomphal en Espagne, où il fit pâmer plus d'une sœur, a décidé de reprendre la route à nouveau. Le pape voyageur fera la tournée des Club Med afin d'évangéliser les bronzés. On le voit d'ailleurs ici, lors de son arrivée à Acapulco, cherchant sur le sol mexicain un de ses verres de contact. Sur la scène fédérale, le premier ministre, M. Pierre-Éliott Trudeau... Allô, Pierre? Excellent, ton pâté chinois hier soir. Je disais donc que Pierre accueillait dernièrement le président de la Guinée et à cette occasion, il lui exécuta une petite danse de son cru en guise de bienvenue. À Montréal, nouvelle menace de grève dans le secteur du transport en commun. En effet, les chauffeurs d'autobus auraient de nouveau l'intention de débrayer très bientôt si la ville n'acquiesce pas à leur nouvelle demande qu'ils disent plus que légitime. Notre reporter a rencontré un de leurs membres pour en savoir plus long sur ces nouvelles demandes. Monsieur Henri Bourassa, vous parlez encore une fois de faire la grève, mais vous ne trouvez pas que vous êtes déjà un peu trop payé par rapport aux autres travailleurs? Un peu, oui, mais on pourrait l'être plus encore. À part la question d'argent, vous avez d'autres demandes également. Il me semble qu'elles sont un peu exagérées. Ben, on ne demande pas tant que ça. Tout ce qu'on exige, nous autres, c'est d'être deux chauffeurs par autobus. Croyez-vous que les gens commencent à être tannés de vos grèves? Ben, ils commencent seulement, mais à un moment donné, ils vont s'habituer. Non, mais, M. Bourassa, si tout le monde se mettait à faire la grève, ce serait beau. Ben, pas juste nous autres qui avons fait la grève. Vous avez déjà fait la grève avant d'être chauffeur d'autobus. Bon, et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être chauffeur d'autobus? T'es médecin. J'ai l'offre ça, t'as pas assez payant. Ici Léo Beaubien, à Westmount. Dites-moi de quelle façon je pourrais faire application pour un chauffeur d'autobus? Toujours à Montréal, l'ancien chef du Parti libéral du Québec, M. Claude Ryan, s'est finalement déniché un nouvel emploi comme chef cuisinier à l'évêché de Montréal. Il s'est dit très heureux de son nouvel emploi. Parmi ses projets, il compte écrire, avec la main de Dieu, un livre sur ses meilleures recettes religieuses. Les grandes spécialités de M. Ryan sont les pêtes de sœur et les oreilles de Christ. Donc, grosse année
regarder en perspective pour M. Ryan. Sur la scène buccale, maintenant, dans la capitale fédérale, on fête cette semaine l'anniversaire du ministre Jean Chrétien. Radio-Canada était sur les lieux. Coup de filet à Mirabel. Alors que l'actrice française Annie Girardot, surnommée La Nouille, qui suite à son retentissant triomphe à travers le Québec, a tenté de fuir le pays sous ce déguisement de Doberman afin d'éviter ses admirateurs déchaînés qui l'attendaient à Mirabel. Nos douaniers l'ont quand même reconnu en comparant la dentition de l'actrice avec le moule qu'ils avaient relevé à l'entrée de celle-ci au pays. Les douaniers l'ont quand même relâché et en auraient profité pour la piquer contre la rage. On apprenait par ailleurs que Mme Girardot aurait fait parvenir une bouteille de shampoing à la critique Nathalie Petrovskouille, mais cette dernière aurait refusé le cadeau, prétextant qu'elle s'était déjà lavé les cheveux il y a de ça 2 mois. Sur la scène de la scène, le chanteur Claude Dubois, récipiendaire de plusieurs trophées au gala de la disque, aurait offert à la femme de Félix Leclerc de lui échanger ses 5 trophées en or contre le vrai Félix en chair et en os, ce à quoi Madame Leclerc aurait répondu « Envoye, shoot! » Ici, Beau de Rome, qui vous en souhaite une meilleure, et qui est disponible pour un premier rôle dans un film à gros budget, mais qui peut remplacer n'importe qui, n'importe quand à pied levé. Ciao! Mon coco! Bonne année! Bonne année encore! Oui, oui, c'est correct. Veux-tu que j'aille serrer ton manteau? Non, non, je te dis que c'est correct. Oui, donc. J'ai dit c'est correct! Oui, donc j'aime ça, serrer des manteaux. Je vais y aller, moi. Correct d'abord. Claude, tu me donnerais pas mon portefeuille, s'il te plaît? Portefeuille? Ouais. Oui. Excuse-moi. Je sais pas où j'ai la tête de ce temps-là, moi. Je comprends ça. Oh, tant qu'à y être, aussi bien de te remettre ton bas. Aussi bien, oui. Bon, jamais te manque quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas grand-chose, mais on sait jamais. Ça pourrait peut-être te servir un jour. Oh, wow! Oh, pas des pilules anticonceptionnelles. J'en avais déjà essayé une fois avec Juan, j'avais adoré ça. Oh, mon Dieu! Marc-Antoine, vraiment. Maridol, tu vas me donner ça tout de suite. Mais papa, c'est pour les femmes, ces pilules-là. Mais justement, si tu penses que tu vas commencer à prendre la pilule à ton âge... Écoute, Charles, Maridol s'en va sur ses 43 ans, quand même. Faut
pas une femme encore, mais elle est presque rendue à l'âge de rencontrer les garçons. Ça n'est pas question. Vous ne comprenez rien. Mais je n'ai jamais pris la pilule, moi. Et je suis pas plus malheureux pour autant. T'aurais peut-être dû, Charles. Comme ça, mon cher Paul-André, tu penses que je suis pacté? Qui c'est que te dit ça? Allons, Carole, sois pas ridicule. Hein? Tu as de la difficulté à parler tellement tu as bu. Moi, bu? C'est pas parce que je suis saoul que je parle comme ça. C'est mon dentiste qui m'a gelé la bouche. Il t'a gelé au scotch, oui. Où es-tu? Où es-tu? Mais je suis là. Dis-moi quelque chose. Allons, ma petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends un verre, ça va te calmer. Je vais en prendre un, moi aussi. J'ai le goût de me calmer. Écoute, Carole, va donc te calmer ailleurs un bout de temps. Pars, va à la campagne, disparais un peu. Ça va te faire du bien. D'accord, monsieur le Billis. En tout cas... Surprends-toi pas si tu me retrouves. Porte un beau matin dans le journal. Je serai pas surpris, je te le jure. Famille. Salut, la belle-sœur. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est papa et maman. Ils ne veulent pas que je prenne la pilule. Mais voyons, on n'attire pas les hommes avec une pilule. Non, mais ça aide. Mon moineau voulait danser. Petit mon moineau voulait danser. Tu commences à te tenir un petit peu, là. C'est pas parce que je m'appelle Moineau qu'il faut me faire attendre dehors comme une dingue. Mais qui c'est, ce type? C'est mon chauffeur de taxi. Ah bon? Eh bien, vous ne ferez pas la dinde longtemps, mon brave. Allez, viens, Marie-Dole. Je t'emmène te changer les idées chez tante Rosanna à la Malbaie. La Malbaie, là? Je regrette, je connais pas ce rue-là, moi. C'est pas une rue, c'est un petit patelin. Hein? Un patelin? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est près de Québec. Québec? C'est où, ça? Allez, venez, on vous expliquera. T'es-tu après virer folle, ma girouette? Non, je les tarte un peu, 33 tartes au sucre, on va bien revirer diabétique. Pis, pas grave, ça. À part de ça, faut bien mourir de quelque chose. Qu'est-ce que je vais devenir, madame Rosanna? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, en attendant, tu peux toujours mettre la table. Oui, mais mettre la table, mettre la table. C'est pas ça qui va faire revenir Paul-André. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est bien dur à dire de même, juste au son. Comment ça va, Baba Bidir? Ça va, ça va. Numéro 3. Tu es venu me chercher? Pas vraiment, non. Oh, t'as pas en douche. Oui, ouais. T'es pas venu avec ton toréador, là, ton Allemand, là. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Joanne? Juan? Non, tout est fini entre nous. Oh, petite fille, non, viens, non, voyons donc. Il y en a plein d'autres, espagnols, il y en a plein en Saint-Léonard. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? On prend-tu dans son bac? Ah, ben, rentrez! Rentrez! Salut, gang de viande à chien! Ben, si c'est pas mon cousin! Je t'en plains, lui! T'es, c'est pour toi. C'est pas grand-chose. C'est rien qu'une boîte vide. Ouais. T'es lancé des grosses dépenses cette année? D'abord, ça te fait plaisir. T'es-tu venu de ça? Non, je suis monté avec Flagos. Il est en train de faire quelque chose. Ah! Salut, mais fais pas chaud par ici.
Encore une chance, je suis pas frileux du progos, sorry, ben. T'es pas venu à pied, toujours? Non, Maurice Milou nous a passé sa corvette, sorry, ben. L'affaire, c'est que c'est bien dur à chauffer un 4 vitesses au plancher quand t'as rien qu'un bras, sorry, ben. Fait qu'on est monté en première tout le long. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? On mange ça, ben, ça on fait des pertes. À moins qu'on mange de la farce. Ça pourrait être fait. Pis toi, le français, comment ça va? Tu gagnes toujours ta vie comme plus bel homme du Canada? Non, là, je suis rendu ministre de la justice, figure-toi donc. Qu'est-ce qui arrive avec toi, il sort, Hubert? Es-tu tombé en amour avec les 26 ans de tu sais? Non, avec un 40 ans. Ben, qu'est-ce qu'on fait, là? On s'en tue, ben, ça marche. Maman! Ben, Lizzie, ça peut bien être, ça. Moi, j'entends plus personne. Francine? Oui, Bu! Oh, Stein, Bu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh! Hey, mon chum! Cette semaine, au Comanche, venez nous voir! On a tout pour toi! N'est-ce pas, Stephen? Oui, papa! Des riddles de douche! Des draperies! Des débrouillettes! Des pleins de lits! Des espadons! Des rigodons! Des redros! Des têtes pour les oreillers! Des draps sans contour! Venez nous voir avec vos yeux! Ils n'en croiront pas leurs oreilles et les prix! Ridicule! Comme nous, papa! Comme nous, Stephen! Bravo! Coupé, les gars! Des serviettes dans le bain! Des tapis cerises! OK, on va manger, les gars! OK, on va manger des club sandwichs! Des égredons! La salade de choux! Mesdames et messieurs, veuillez noter que suite à un accord culturel entre Radio-Canada et Télémétropole, l'émission Noir et Blanc est animée cette semaine par Suzanne Lapointe. Bonsoir, mesdames. Eh bien, mon premier invité aujourd'hui à Noir et Blanc est un homme qui a beaucoup de charme. Il est pas laid, quoi. Et ce qui ne gâte rien, c'est qu'il a une très belle situation puisqu'il s'agit du premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau. Bonsoir, M. Elliott. Bonsoir, ma belle Suzanne. Arrêtez. Monsieur Elliott, la question que les gens se posent actuellement dans le contexte économique actuel, moi, je pense que c'est surtout... Oh, mais mon Dieu, vous avez donc bien une belle cravate. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Disons que je suis pas un amateur de tricot ou de macramé, quoi qu'il m'est déjà arrivé de tricoter deux ou trois cravates comme celle que je porte ce soir. Oh, mais vous avez des doigts de fée, des doigts de fédérale. Oh, mais soyons sérieuses, là. Oui. Avec quelle sorte de crochet vous avez fait votre cravate? Un numéro 3 ou un numéro 4? Celle-là, je l'ai fait avec un numéro 3. Mais si c'est à recommencer, évidemment que j'utiliserais un numéro 4. Je trouve le point un peu trop serré. Ah, oh, un peu serré comme votre budget en ce moment? Tu qu'on l'a trouvé bonne, celle-là? Oh non, elle est belle, pareil. est-ce que votre gouvernement n'a pas d'autres réalisations à part votre cravate? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas vos bas qui sont un peu spéciales? Oui, je viens tout juste de terminer une paire de bas lors du dernier conseil des ministres et... Montrez-nous les dons, vos bas. Écoutez, Suzanne, c'est parce que c'est la première fois que je faisais du macramé. Si vous insistez, d'accord. Mais je dois avouer que j'ai adoré ça. Vraiment. Alors, je me suis fait venir la corde pour poursuivre le travail et faire la camisole qui va avec les bas. Oh, j'espère que vous allez venir nous montrer ça. Avec plaisir, Suzanne. Oh!
Bonsoir. À votre ami le bombardier aujourd'hui, Thérèse Boulet, fentexiste, ou si vous préférez, spécialiste en fentex. Thérèse a donné de nombreux ateliers dans la province au cours des dernières années et je vais à l'instant lui dire bonsoir. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, Denise. Thérèse, avant d'aborder les grandes questions de fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, mesdames, on va se tricoter une jolie paire de pantoufles. D'accord, oui. Mais pourquoi une paire de pantoufles? Pourquoi pas un foulard, un cache-nez? Ou même un béret, à la rigueur. Bien, c'est parce qu'un béret, on en a fait un la semaine dernière. Vous êtes sûr que vous ne détournez pas un peu la question, là? Et d'ailleurs, est-ce que le fentex, en général, ça ne détourne pas un peu les femmes de leurs vraies occupations? Pendant que les hommes sont à l'extérieur et prennent les vraies décisions, nous, les femmes, il faudrait faire du fentex à la maison. Vous ne trouvez pas ça un peu aliénant, vos pantoufles en fentex, finalement? Alina, bien, peut-être que ça dépend des couleurs, hein? Comme si vous prenez du rose avec du jaune, par exemple, c'est peut-être un peu aliénant, dans le sens de voyant, mais c'est pas vraiment... D'accord, oui. Mais puisque vous êtes dans les couleurs, parlons-en de ces fameuses couleurs. D'accord. Moi, par exemple, si j'aime ça, rose et jaune ensemble, est-ce que c'est pas un peu de mes oignons, non? Oui, c'est vrai, ça dépend des goûts, finalement. Ah, ben, c'est facile à dire, ça. Oui, c'est facile à dire, oui. Alors, les broches que ça vous prend... Ah, parce que ça prend des broches, en plus. C'est mieux, oui. Mais pourquoi c'est mieux? Bien, c'est dur à dire, Mais là. Pourquoi c'est dur à dire? Bien, parce que je... Parce que... Non, mais dites-le. Non, mais c'est parce que là, vraiment, madame Bombardier... Non, vous parlez, madame Bombardier, dites-le. Ne manquez pas, dans quelques années d'ici, Lautrec 99. Et chaque année, j'atteins misérablement Héloïse, Héloïse. Bonsoir, mes invités cette semaine à Lautrec 99 sont Marjolaine Corbeau. C'est la danse des canards qui me rentre dans le corps, même
mais si je fais du foin, 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 foin. Je suis tannée d'être un canard qui a l'âge de Muriel Millard, pis qui chante comme un serin, 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 serin. Et surtout, Donald Lautrec, on vous attend, c'est un rendez-vous. Et chaque année, j'attends misérablement Héloïse, Héloïse. Quelqu'un, là je t'ai eu, là je t'ai eu. Hein? Quelqu'un, prends ça, toi. Quelqu'un, oh mon Dieu, toi. Quelqu'un, mets ça dans ta pipe. Je peux-tu te parler deux minutes? Vas-y, parle-moi. Quelqu'un, mon stomp! Attends un peu de rôle, Maman, je tombe enceinte de Robert. Oh, je t'aperdouche! Mais non, maman, je l'aime. Non, 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 pas lui, je parle de ton père, il vient de me descendre, mon Dieu. Mais maman, tu réalises-tu? Ben, quand je réalise, il prend juste de porter le terreau. Oh, shucks! Hey, Popette, tu sais pas quoi? Ben, moi, je sais, j'ai un club dans mon chemin. Non, papa, je pense que je vais lâcher l'école. Souffle bien, oui, je vais la faire une autre fois, je t'occupe, là. OK, on roule les mains, tout le monde. Qu'est-ce que tu prends ça, tu prends? Attends un peu de là, attends un peu de là. Hey, si tu roules les mains. Ben, venez pas dans t'occuper. Oui, mais où est l'argent? Elle est dans la chambre. En tout cas, ne bougez pas de là. Ben, non, sortez, 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 dites. Pas tordieux, tarpé, je veux dire. Maman, c'est décidé, je m'en vais vivre avec Robert. OK, mais rentre pas trop tard, ma chérie. Hey, papa. Quoi? Je m'en vais au Népal. OK, ça dit bien, gros. Il doit sortir des vidards en partant, là. Là, je t'ai... Madame Lucien, madame Lucien, le feu est poigné dans votre cave. Ben, vous allez sauter. On arrive, là. Bon, ben, merci tout le monde, hein. Avary, le jeu qui vous fait oublier la réalité. Si tu dors venir dans un deuxième temps, on peut être avec elle. Claude, qu'est-ce que tu fais avec mon stéréo, là? Rien. Je dois te changer ton aiguille. Ah, non, écoute, Claude, j'en ai besoin pour tout de suite, OK? Une autre fois. OK. Claude, comment tu t'en tournes chez toi, là? Ah, pas de problème. J'ai été de ton genre. Moses qui est pas chanceux, lui. Mon ami Huguette,
Ah, bonne année, Gérard. Bonne année. Bonne année.